Millions et millions, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte à peu près bien. Merci de m'être bipé Malos. Malos doit sortir. Voilà. Malos doit sortir. Malos doit sortir. Malos doit sortir. Malos doit sortir. Malos il doit sortir. Bipez-moi Malos. Malos il doit sortir. Mesdames et messieurs, Malos m'a posé la question à savoir, Prince Aimé était en France. Qu'est-ce que j'ai fait pour Prince Aimé? Je n'ai rien fait. J'avais mes problèmes. Je n'ai rien fait. Prince Aimé rentre au Cameroun. Malox, toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour Prince Aimé? Tu n'as rien fait. Ne sortons pas du contexte. On doit parler les choses. On ne doit pas sortir du contexte. Ne venons pas tromper les Camerounais. Malox, tu as le pec pour mener des vrais combats. Tu ne le fais pas. Tu as le pec, tu as l'aura pour mener les vrais combats. Tu ne le fais pas. En Côte d'Ivoire, Malox, même quand on fait l'anniversaire, bipez-moi d'abord Malox. Malox, doit sortir. Malox, doit sortir. Malox, bipez-moi d'abord Malox. Malox doit sortir. Et il doit dire certaines choses aux Camerounais qui ne connaissent pas. Malox, moi je t'attends quand il faut prendre des prises de position. Je t'attends en 2025. Hein, parce que moi, il n'est pas moi la force. Je t'entends en 2027 pour parler pour le peuple. Parce que l'année passée, en 2018, quand il y a eu les élections, tu avais fait motus et bouche cousue. Je t'entends en 2025. Là, maintenant, parce que tu as la rue derrière toi, tu as le pec. Et c'est là que tu dois nous montrer ça. Malheur, c'est en Côte d'Ivoire. Quand il y a les cons, quand il y a l'anniversaire, ceux qui organisent l'anniversaire payent les droits d'auteur au Burida. Il paye certains hommes au Burida pour qu'on parte donner aux artistes. Malox, doit sortir. Je vais voir Malox ici, là, parce que vous n'êtes pas en train de le biper. Malox, doit sortir. Malox, doit sortir. Malox, doit sortir. Malox, je suis en train d'attendre le remix que tu vas faire avec les grosses têtes de la musique camerounaise. Je vais voir où les Camerounais vont amener ça. Malox, le vrai combat que tu dois mener, c'est le combat pour que les artistes puissent avoir les droits d'auteur. Le vrai combat que tu dois mener. Pas un combat individuel. Un combat où tous les artistes camerounais. Parce que toi, tu as l'aura. Tu dois parler pour les artistes camerounais. Où je t'attends, c'est que tu te mettes devant. Et que tu dises que trop, c'est trop. Les Camerounais n'ont pas les droits d'auteur. Malheur, les Camerounais sont devenus. Les artistes camerounais sont devenus des gros gigolos ici en France. Si tu me rassures que je n'aurai pas de procès, je sors leur nom. Les artistes camerounais sont devenus les gigolos ici en France. Quand ils viennent en concert, les artistes camerounais viennent faire des concerts dans les boîtes de sagesse dans les Nganda. Malox doit sortir. Malox doit sortir. Malox doit sortir. Malox doit sortir. Bipez-moi Malox. Malox, toi tu t'en sors. Tu es en train de construire un immeuble de 6 niveaux. Combien d'artistes camerounais peuvent construire un immeuble de 6 niveaux. Combien, toi, tu t'en sors? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu as ton argent. C'est le cas de combien d'artistes camerounais? Ce que les artistes camerounais font maintenant, millions et millions, quand ils viennent en concert ici, ils ciblent une petite fille camerounaise française. Ils envoient l'enfant dans le ventre. Ils envoient l'enfant dans le ventre. Ils restent à distance, ils vérifient, contrôlent. Dès que la fille accouche, il reconnaît. Il a ses papiers, c'est qu'il peut venir n'importe comment et n'importe quand. La majorité des artistes, quand ils viennent ici, ils cherchent seulement comment ils vont nyonga. Vous devez dire la vérité. Malox, moi, ce que j'attends de toi, en 2025, 5 artistes ivoiriens sont programmés pour les Zénith de Paris. Je dis bien 5 artistes ivoiriens sont programmés pour les Zénith de Paris. Moi, ce que j'attends, comme tu te positionnes en tant que leader, programmer aussi 5 artistes camerounais pour le casino de Paris. Programmer 5 artistes camerounais. On a vu Loco ici qui peinait à remplir les salles. Vous devez mener le vrai combat. Le vrai combat, c'est d'apprendre au peuple camerounais à se soutenir. Le vrai combat, c'est d'aller voir les papas qui sont assis sur les droits d'auteur à réclamer ce qui vous revient de droit. C'est ça que j'appelle le pec. Quand on parle du pec, que quelqu'un a le cœur, qu'un boy a le cœur,
combats que Zuimène, je ne peux pas mener les combats là. Il y a des combats que Zuimène domaine, ne peut pas mener les combats là. Parce qu'elle n'est pas le cœur de mener ces combats là. Toi, tu es comme un leader d'opinion au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent te suivre. Montre le bon exemple. Tu dis que tu défends les droits de Prince Aimé. Tu as insulté mes lasses. On ne doit pas détourner le sujet. Donc, je ne vais pas venir répondre par rapport à mes petites lasses que tu as insultées. Mais moi, à l'issue de ça, qu'est-ce que, à l'issue du boucan que vous êtes en train de traiter là, est-ce que tous les artistes camerounais vont en profiter? Non. Toi comme moi, on n'a pas calculé Prince Aimé quand il n'avait pas le succès. Toi comme moi. Ah oui. J'étais dans mes premiers séjours là, mais je savais que Prince Aimé de quel côté. Parce que nous, les Camerounais, on a un problème d'être individualiste. Je dis bien toi comme moi. On a un problème d'être individualiste. C'est quand ça fait boum qu'on sort. Tu es en train de tenir et mix dans ton combat. Toi, tu as ta grosse maison et ton immeuble que tu es en train de construire. Tenor et mix n'ont pas l'immeuble et la maison qu'ils sont en train de construire. Il faut que tu te mettes devant pour aller demander les comptes au ministre de la Culture. À savoir pourquoi les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Vois le combat que tu dois mener. Et là, je vais te donner le tchaka. Et là, je vais te dire que non, gars, tu as un boy plein. Parce que je ne suis pas devant les Ken Joss, les Wake, wow. Aïcha Kamoz, t'es Bindi Las. Wow, Coco Emilia, t'es ma chaîne. Non. Il ne suffit pas seulement le Joss, ça. Il ne suffit pas seulement le Ben Joss, oh, là, tu penses. Je ne suis pas d'accord avec toi, car je te dis non. Diman, mène un combat, ça aboutit, nous, maman, veillard. On veut nier. Lève-toi. Demande à ceux-là qui sont placés où tu connais. Pourquoi les artistes n'ont pas les droits d'auteur? Vois le vrai combat que tu vas d'où? Et moi, t'attends en 2025. Parce que moi, je n'ai pas là. Je veux voir mes enfants grandir. En 2025, je ne veux pas parler. Je ne peux même pas broncher en 2025. Moi, je dis déjà. Les Camerounais veulent y voter. Ils veulent nous voter pour. Ils ne veulent pas broncher en 2025. Mais moi, en 2018, j'ai parlé. J'ai parlé. Les Camerounais sont témoins. J'ai correctement parlé. Mais en 2025, attends ton tour. Chacun doit jouer sa partition. Et c'est ça un leader d'opinion. C'est ça un leader d'opinion. Toi et moi savions très bien que le peuple camerounais ne sait pas soutenir. Le peuple camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle soutenir les artistes. La preuve. Ils disent que tu chantes quoi? La preuve, ils disent que tu chantes quoi? Voilà celui-là qui est sorti la chanter. Cracra. Cracra. Les Ivoiriens le soutiennent même pour rien. Moi, j'aimerais que tu mènes les combats, toi, avec les autres là. Les autres qui disent qu'ils sont promoteurs culturels. Ramener les Camerounais dans les salles. À chercher quel est le véritable problème des Camerounais. Pourquoi ils ne remplissent pas les salles? Pourquoi ils ne remplissent pas les salles? Voilà le combat que je veux que tu mènes. Parce que tout ce qu'on est en train de bavarder, de Bordeaux, pas de Bordeaux, de Bordeaux, pas de Bordeaux, vous allez faire le désordre là. Je suis totalement d'accord. Lors de ma première sortie, millions et millions. Lors de ma première sortie, j'ai dit à De Bordeaux, Likoufa, De Bordeaux. Mais ce qui est sûr, il doit obligatoirement donner les droits d'auteur à Prince Aimé. Il ne doit pas seulement s'arrêter là à prendre le téléphone. Allô, en passant, pause publicitaire. Pour bien vous nettoyer le corps, enlevez tous les péchés que vous avez sur le corps et la poisse que vous avez. Il faut venir prendre le gel de chez Camoz Beauty. Les filles et les gars poisseux et poisseuses, quand tu te laves avec le gel de Camoz Beauty, tu as l'impression que tu es en train de te balader dans les nuages. Avec Camoz Beauty, quand tu te balades dans l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. C'est pour ça qu'ils ont l'ombre là-bas, tapis dans l'ombre, à conspirer contre moi. Mais Dieu ne fait que m'élever. Parce qu'il y a une onction dans Camoz Beauty. Par conséquent, quand je prends ma douche avec, ça me purifie de tous les péchés, de tous les gros mots qu'il passe autant à dire sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, mon petit frère était en direct. Voilà, il montrait les produits de chez Camoz Beauty. Voilà une fille qui dit que c'est les produits d'Aïcha Camoz. Je ne peux pas acheter, hein. Je préfère l'acheter autre part. Oui. Parce que les Camerounais, c'est ça. Ils ne savent pas soutenir. Au lieu de venir acheter les produits de sa soeur, que je suis Aïcha Camoz, elle préfère l'acheter ailleurs parce qu'elle ne veut pas m'enrichir. Mais elle préfère aller enrichir une autre personne d'une autre nationalité, d'un autre pays, elle préfère aller le faire. Mais moi qui suis sa soeur, parce que demain j'aurai l'argent, elle préfère ne pas.
Commencez d'abord à consommer camerounais. Commencez d'abord à être soudé. La musique camerounaise va où? Voilà les vraies questions que veux en tant que leader. Bon, je considère que tu es le leader des musiciens là. Parce que quand tu tousses, tout ça s'aligne. Oui. Mais là, c'est marqué bien. Moi, je n'ai pas peur de moi parce que je suis têtu. Maintenant, je ne mords pas le fer. Je suis têtu. Oui. Je vous ai dit que les seules personnes dont j'ai peur, tu vas prononcer le nom de papa Mangangele. Il va dire que hé. Tu vas prononcer le nom du colonel Bankui. Je vais dire que hé. Tu vas prononcer le nom de. Je ne sais même. C'est d'eux que j'ai peur. Le reste là, non. Vous avez vu dernièrement, moi, Minda, dit qu'elle va casser mes dents. Est-ce que ça va m'empêcher de parler d'elle? Elle va m'empêcher. Ça ne peut pas m'empêcher. Je vais parler jusqu'à demain. Tantôt, ça va me piquer. Je veux seulement parler. Et quand c'est sur Internet, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Donc, Malox, laisse les insultes du quartier que Aïcha Kamoise, ton cul, Aïcha Kamoise, tes poils, laisse ça. Viens me montrer que tu es un leader d'opinion. Viens me montrer que tu es un king, comme les gens t'appellent. Viens me montrer que tu es un boy plan. Organise quelque chose pour que les artistes puissent avoir les droits d'auteur. Voilà où je vais dire que non. Tu as bien fait. Organise. Et dis encore que tu n'ignores pas la bouche des Camerounais. Les Camerounais sont très forts dans la tripolarité. Pas bipolarité, tripolarité. Vous allez sortir le son là. Si le son là n'est pas bien. Aïe. Si le son là que vous dites que vous allez remixer n'est pas bien. Antizambo amour. Les Camerounais vont s'asseoir encore sur toi. Aïe. Ah, ma parana, hein? Je dis que hein? Si Malox sort le son là, avec les artistes là, et que moi en tout cas, moi sur ce moment là, je veux commenter. Mais j'ai confiance aux Camerounais avec la tripolarité. Les Camerounais peuvent te dire qu'avance, avance, avance. Dès que tu arrives ici, ils disent que qui t'a demandé d'avancer? C'est nous qui t'avons demandé d'avancer. Et te dépose encore au carrefour. Elle te dépose encore au carrefour. Non, les Camerounais sont forts pour ça. Mais Malox, il faut mener le vrai combat. Tempête, on refuse de produire des artistes camerounais parce qu'ils peinent, ils souffrent pour remplir les salles. Ils souffrent pour remplir les salles. Combien d'artistes camerounais se produisent dans des vraies salles ici en France? Récemment, on a eu José, Roselyne Dayo, Tim Péa, qui ont rempli le casino de Paris, chacun à son tour. On n'a pas dit trois artistes. On dit José, Roselyne Dayo, Tim Péa, ont rempli le casino de Paris, chacune à son tour. Axel Meril a rempli le casino de Paris. Mais le corps, notre artiste reconnu, incontestable, a peiné, a eu des difficultés, même le promoteur était seulement dépassé. Mais maintenant, tu connais le promoteur, non? Appelle-le, tu lui demandes comment il a fait comme cela pour que le corps puisse faire un semblant de remplissage. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, d'abord, les Camerounais, on n'a pas la culture de soutenir nos artistes. Vous devez d'abord commencer là-bas, ce combat-là. Parce que toi, tu arrives à manger. Tu as construit ta maison. Tu as reconstruit ton immeuble. Mais les autres, est-ce qu'ils arrivent à manger? Beaucoup meurent même, sans même toucher même 1000 francs de droits d'auteur. Hein? Beaucoup meurent même. Moi, je vous dis seulement que. Oh, il faut qu'on fasse comme ça, Aïcha Kamoise, vos poils. Vous n'avez rien à me faire. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut m'attaquer, qu'on me guetter comme cela, que mes enfants ils vont me faire quoi. Je suis dans un pays où il y a la liberté d'expression. Donc, envoyez même 40 mois Minga sur moi.
comme les clowns de moi, Mina. Vous faites ces clowns, vous l'envoyez sur moi. Hey, ça va glisser. Ça va glisser. Faites même. Hey. Ils sont en train de faire le collectif anti-Aïcha Kamoise, non? Que font le collectif là? Donc, clowner même 60 mois, Minga, pour me boxer. Je suis là. Même si moi, Minga, me tape, elle ferme même ma bouche, non? Je vais me lever. Il faut seulement qu'elle finisse moi. Parce qu'elle me lève. Hey! Vous avez vu quelqu'un qui est à terre, mais sa bouche sort toujours. Hey! Ah, maman. Même si elle est en train d'appuyer comme ça, là, ma bouche serait seulement en train de sortir, la sortie. Donc, même si on scotch même la bouche, ça va sortir, ça manque pas d'air. Vous avez comme tous les mots ce que je vais dire. Voilà. Je vous ai dit que la seule manière de me calmer, c'est d'envoyer un gars qui va m'enceinter. C'est la seule manière de me calmer. Parce que je m'adresse aux Camerounais qui sont en train de gesticuler. Il faut qu'on fasse comme ça. Aïcha Camerounais, elle m'a fait poil. Vos poils gris. La seule manière de me calmer, c'est m'enceinter. Parce qu'elles sont enceintes, je suis calme. Voilà. Tant que je ne suis pas enceinte, vous allez souffrir de m'écouter. Donc, c'est sur les réseaux sociaux. Je vais commenter autant de fois que ça me plaît. Donc, s'il y a quelque chose à dire encore à plus tard, je vais le dire. Mais moi, je dirais, faut mener les vrais combats. Parce que ce que tu es en train de mener là, ça c'est un combat, ça. Mène les vrais combats. Les vrais combats, tu sais ce que tu dois mener, mais tu ne le fais pas. Il faut mener les vrais combats pour que tout le monde puisse manger comme toi. Toi, tu as eu la chance. J'étais accompagnée dans tes concerts, malheureusement. Quand les gens ne voulaient même pas que tu prestes, je t'ai accompagné. J'ai vu comment tu as fait échelon par échelon, échelon par échelon. Au lieu, tu as ta maison avec piscine. Tu as ton immeuble que tu es en train de construire, ok. Mais combien? Hein? Combien? Oh, Aïcha Kamoise, quel conduit? Je vais parler de moi, Minga, aujourd'hui, demain, après, demain. Vous n'allez rien faire. C'est ça le pire. C'est ça. C'est quand tu vas prendre tes doigts, tu vas écrire. J'ai dit que la personne qui est trop fâchée de moi, quand moi, c'est lui qui est situé au 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Bref, mesdames et messieurs, je vais aller prendre ma douche. Je suis fatiguée. J'ai passé une journée très, 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 très mouvementée. Je suis très fatiguée. Je suis très épuisée. Mais Aïcha, chacun choisit son combat, non. Toi-même, tu mènes quel vrai combat? Tu as choisi ta route. Il a choisi pour lui. Respect le point de vue de chacun. Liberté d'expression. Mais ma chérie, il y a certains combats que je ne peux pas mener parce que je n'ai pas le pec. Mais Malox dit qu'il a le pec. Donc ça veut dire qu'il doit mener les combats pour tout le monde. Malox a dit. Parce que pas parce que dit ah que c'est vrai, je vais dire amen. Hein. Si vous êtes des moutons, je ne suis pas mouton. Hein? Si tu es une moutonne, je ne suis pas mouton. Hein. Voilà. Donc c'est pas parce que Malox a dit que je suis obligée de suivre. Dans ma première sortie, j'étais d'accord avec lui. Mais après, il a commencé à enchaîner là, et que non, je ne suis plus d'accord. Dans ma première sortie. Si vous regardez bien, j'étais d'accord dans son approche. Mais après, j'ai commencé à voir, j'ai dit que donc, il va mener un combat. Mais pourtant, il y a les vrais combats qu'il faut mener. Après, je n'étais plus d'accord avec lui. C'est comme ça et c'est mon droit. Qu'on apprenne nous-mêmes d'abord à être solidaires hein, pour commencer. Voilà. J'ai trop parlé pour aujourd'hui. J'ai passé toute ma journée sur TikTok en train de bavarder de l'histoire-ci. On revient dessus demain. Malatana, je sais que Malox va voir mon message. Qu'elle demande que. Il faut que. Quand vous faites les combats, au final, ça doit profiter à certaines personnes. À l'issue du désordre que vous êtes en train de faire, programmez 5 concerts de 5 artistes camerounais ici-là, en France. On va voir si le peuple camerounais connaît soutenir comme le peuple ivoirien. C'est aussi simple que ça, non? C'est aussi simple que ça. Organisez. J'attends.